Et coucou YouTube et bienvenue pour cette rediff de live sur le Not So Berry où on va avoir des nouvelles choses intéressantes dont le relooking de Pulco que je vais vous montrer. Après on va aussi passer au relooking de Mini hein, parce que non seulement elle est moche, ah regardez-moi cette horreur. Et on va aussi la relooker parce que ça fait bien. Ah merci Captain Mop pour l'hébergement, ça fait plaisir. Et ben donc, excusez-moi, on va y arriver. Je vais vous montrer directement dans le CAS le relooking de Pulcot. J'espère que ça vous plaira. Vous pouvez déjà le voir ici. Ah. Attention, attention, hein. Il est mature, hein. On voit que la quarantaine est passée par là. Donc voilà la monstre. C'est drôle. Voilà. Bon, elle est pas si moche, mais il y a mieux. Et le petit Pulcot, attendez, faut que je lui mette ses fringues de... Alors. Ah, voilà. Regardez-moi ce beau gosse. Regardez-moi cette petite méchette. Moi, c'est la coiffure de Pierre Nard, hein. Comme je dis, à chaque fois que je mets cette coiffure-là, pour moi, c'est Pierre Nard. Parce que je ne l'avais jamais utilisée avant. Et la petite bou boucle qui a... Il est beau, hein. Il ressemble à Brodo. Bah, ça, c'est son fils, hein. Tu sais, je le mets en rouge, c'est Brodo, hein. De ouf. Dégage mocheté, laisse ton beau gosse de père passer. Oh, cette violence, après on me dit que je suis violente envers mes Sims. Bon, voilà le nouveau look de Pulcot. Il est beau. Regardez cette beubare là, magnifique. C'est fini la barbe de 3 jours. Et puis les cheveux sont coupés. Il est beaucoup plus beau. Il est classe. Il a 40 ans, hein, c'est normal. Petite chose, j'ai aussi donc donné des couleurs, donc blanc et jaune, comme on avait déjà fait. Et des fois, j'ai mis du gris. Pourquoi? Parce que je me suis dit, comme il y a la génération grise qui est déjà là, ça fait une transition plus ou moins quand même sur la génération d'après. On va dire que comme il aime ses filles, et ben voilà. Donc là, c'est sa deuxième tenue de jour. Un petit peu plus détendue, tranquille. La tenue habillée. Aïe, 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 aïe. Attention, hein, là, il a sorti le costard. Jaune et blanc et noir. La tenue de sport. Ouais. C'est fini, le truc Moschino, il en avait eu marre. Le pyjama, bon ça on l'a vu, bah il est là le Moschino, c'est pour le pyjama. La tenue de fête. Ah qu'il est beau le lavabo. Donc il y a toujours du jaune, toujours du blanc. Le maillot de bain, je crois que j'ai rien touché. Bon là on peut voir qu'il s'est un peu empâté hein, quand même le petit. La tenue de temps chaud, j'ai rien changé. Ça lui cache juste les tétons. C'est bien. Et la tenue de temps froid. Toujours un peu classe quand même sur les bords. Stop au diktat de la minceur. Oui, j'avoue, mais bon, quand il y a un beau mec dans les Sims, autant le faire qu'il soit musclé un petit peu, tu vois. Mais un poil d'embonpoint. Oui, bien sûr, c'est ça. Mais quel beau gosse, notre plus court. Bravo, le pépé, t'as bien bossé. Il est beau le lavabo. J'avoue, hein, quand même, hein. C'est un bel homme, hein. Non, franchement, j'ai essayé, puis je me suis déjà. Déjà, je savais que je voulais les cheveux plus courts. Puis en lui mettant cette barbe-là, je me dis, mais ça lui va tellement bien. Puis le petit côté cravate, cardigan, tout ça, ça fait... voilà, ça fait sérieux. Donc c'est marrant. Un vrai homme. Tu es nu habillé, ça pique les yeux. Mais non, regarde cette classe. Oh, qu'il est beau. Qu'il est beau. Bon, on va relooker la mocheté maintenant. Pulcot, il dépote. Ah, j'adore. Pulcot, il dépote. Bon alors bien sûr on va relooker la monstre. Moi je vais lui laisser cette coiffure là, je vais lui mettre les cheveux en noir comme ses sœurs. Oh, mais regardez, elle aussi elle a de la moustache. Rien ne va plus. Hein. Rien ne va plus chez les enfants. Nous avons. Pourquoi il y a la matière? J'avais jamais remarqué. Jamais. Regardez. On va mettre les deux gris blanc, c'est bien. Oh, quel look, dis donc, magnifique. Hein. Alors, gris-blanc, bah ça c'est bien. Moi je vais vite. Hein. Voilà, je voulais au moins faire ça avec vous, parce qu'après. J'aurais pu le faire avec. Mais bon, je dis non, je vais juste relooker Pulcot. Bon, c'est pas le même gris, les enfants. Ah, bah c'est très bien ça. Bon, les chaussures, non. Les chaussures ne vont pas. Ouais, donc, hein, c'est pas très. Voilà. Oh, t'es mignonne. Ah, le haut, je suis pas très très fan en vrai. Mais bon, oui. Il n'y a pas 15 000 trucs, hein, quand même. Oh! Oh!
c'est pas très gris, hein. Enfin, c'est blanc. Ah, je vais lui laisser. Je me souviens que dans le Ugly to Beauty Legacy Challenge... Oh, il est noir à rallonge, j'en ai content. J'avais mis ça à une des gamines. Mais elle a une moustache, au secours. Et ça m'avait bien fait marrer. Est-ce que tu as un truc... Non. Non. T'as rien... Vous avez rien en gris, vous. Non, c'est bleu, ça. Bon, bah, tu vas être en blanc. Allez, cocotte. Parce que faut pas que je fasse non plus exactement la même chose que ses sœurs. Hein. Oui. Le seul truc que ça, bon bah. Bon, je peux mettre ça. Elle a le truc, mais j'aime pas en général quand il y a la capuche parce que j'aime bien voir les cheveux. Ça me permet de les dissocier en fait, parce que j'ai toujours du mal. En tenue de fête. Mais ouais, mais. Il n'y a pas de gris, hein. Bon, je sais, j'ai pas sélectionné, mais. Il n'y a pas vraiment de truc gris. Bon, on va dire que ça, c'est à peu près gris. Allez. On va pas se compliquer la life. C'est du bleu, mais on dirait que c'est gris. Soit elle a de la moustache, donc personne ne la regardera en vrai. Ta la 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 ta ta la ta ta. Ti la la. Oh, je suis mignon. Je pense que toutes ses sœurs aussi l'ont eu. On s'en fout, nous. Ah non, bah, vas-y, je vais choisir deux trucs différents, là. Allez, ça. Et en bas... Bah, c'est le moins pire, hein. On va pas lui mettre ça. C'est un peu bizarre. Ou ça. Non, c'était bien, ça. Ou alors la petite jupe en jean. Allez, la petite jupe en jeans. Yes. Allez, gris. Parce que tu veux mettre des petits collants. Ah oui, on est en temps chaud, pardon. Bah non, alors ça c'est bien. Et en temps froid... Ça j'ai déjà mis... Ah bah tiens. Avec du blanc, enfin du rose. Avec du blanc, n'importe quoi. Et on va te mettre ça. Bah voilà. Elle est relookée la mini. Elle est relookée. Salut Tatou, comment tu vas? Oui, c'est nouveau la matière. Ah d'accord, ça me semblait bien que... T'es sûr que c'est une fille? Ouais. C'est le jeu, il m'a dit que, tu vois. Mais avec sa moustache, on sait pas trop, quoi. J'avais les cours à réviser. D'accord, pas de soucis. De manière, ça fait Disney, mini. Ouais, non, mais on n'est pas sur un truc Disney, hein. On est sur des couleurs. Qu'est-ce qui s'est passé? Shirley commence juste notre Sauberry. Et on a une chanson. Chut. Ce qui reste sur Twitch. Ce qui se passe sur Twitch reste sur Twitch. La pauvre, elle a divé, c'est vrai. Non, mais les trois, hein. Les trois gamines, elles ont des moustaches, hein. Bah, elle, ça va mieux. Elle a grandi, elle en a moins. Bah, à certains angles, ça se voit quand même, hein. C'est des filles à moustache qu'on a eues. Future femme à barbe. Yes! Céline, bravo. Hop là! Tout le monde au lit! Au lit, au licard. Toi. Ah ouais, non, tu vas pas réveiller ta sœur. Moi, je te le dis tout de suite. Tu vas déambuler. Faire une sieste par terre. Ok. Utiliser une couche, mettre le bazar. Non, non, mais tu vas déambuler déjà, comme ça tu... Est-ce que, en fait, elle va se faire dessus. Hein? 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 Oh, emmerde pas ta sœur. Allez, au lit. Ah, ça commence. Retourne au lit, toi. Saleté. C'est pas possible. C'est pourquoi? Pourquoi les bambins me cassent les pieds comme ça? Pourquoi j'ai pas de chance? Pourquoi déjà ils sont moches? Pourquoi ils ont les yeux marrons? Et pourquoi ils ont de la moustache? Pourquoi tout ça? Pourquoi la vie? Pourquoi l'espace? Pourquoi? Super chance. Il reste que 3 et pas trop de monde. Ah bah sans mieux alors. Je sais pas si tu avais dit que tu voulais... Plus remplir, surtout la cuisine. Ah ouais, bah je devais changer surtout la couleur. Qu'est-ce que t'as? Bah va te laver. Pourquoi t'as besoin d'aide? Il est 6h du matin, quoi. Qu'est-ce qu'il a, Pulcote? Oh, Pulcote. C'est vrai, il y avait son tonton qui était mort, qui était mouru. Donc il est tristoun. Oh, Bichette. Bah tu vas te lever. À quelle heure il est censé bosser? Censé bosser à 13h. Donc on va lui faire démissionner avant. Oh, vas-y, tu vas te réveiller. Ah, il va mieux.
Oh, regardez qu'il est beau! Mais qu'est-ce qu'on est fiers de notre Pulcote! Regardez-moi cet homme! C'est la joie de vivre! Oh, c'est beau! C'est Pulco! Je suis obligée de faire un imprimé écran parce que là, il est magnifique! Il regarde dans le vide et il fait: Ah, oh, ma vie est belle! Je suis heureux! Oh, c'est la beauté de la vie! Bon, bref, on s'en fout. Tu vas aller te doucher parce que tu commences à sentir légèrement la chaussette. Marche pas dans les murs, hein! Des fois, ils nous font une vie parce qu'ils n'arrivent pas à passer, parce que t'as un bout de machin qui dépasse. Là, il va carrément dans le mur et à travers le miroir, quoi. C'est complètement normal. Ça se lave, tout ça. Là, l'aînée, qu'est-ce qu'elle fait? Elle mange. Tu sais quoi? Tu iras me nettoyer ça après. Et merci, CV 77 500 FR pour le follow. Merci beaucoup à toi. Et bienvenue. Non, mais tu pouvais me finir de manger? Ah bah t'as plus faim en fait, d'accord. Bah, c'est pas grave, tu vas faire la vaisselle, tu iras te laver aussi après. Comme ça c'est fait. Comme ça c'est fait. Le nouveau Pulco a l'air beau gosse. Ah ouais. Non, pas musclé par contre, hein. Il est un petit peu gras, mais il est beau gosse. Ah bah il est triste maintenant. Oh mon dieu, j'ai faim. Oh, oh là là. Oh là 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 là. J'ai faim moi maintenant. Bah tiens, tu iras manger le truc de ta fille. Ça va, Nathalie Jolie? En plus, elle s'appelle Nathalie Jolie. Tu vas aller pisser et manger. Et toi, après, on va te faire démissionner, mon petit. En toute simplicité, tu vas démissionner. Hop là, c'est ici, démissionner. Regardez, il est triste. Il dit, oh, moi, je vais démissionner, je suis triste. Et hop là, une bouchée et ça va mieux. C'est magique. Qu'est-ce qu'elle a? Ah, elle a encore des... Ah oui, je l'avais fait faire du sport. Pauvre bichette. Bon, les deux gosses, les deux dernières, ne sont pas réveillées, donc on est tranquille. Salut, CV! Il ressemble fort à son père. Ah, c'est sa copie conforme. Sauf au niveau de la couleur des yeux et des cheveux. Oui, on démissionne. Alors, parce que je vous explique, c'est vrai, j'en ai parlé sur le live, mais pas à vous, YouTube. Parce que j'ai Pauline qui m'a mis dans mes commentaires YouTube sur le dernier épisode que je m'étais, en fait, trompée dans la carrière de Pulco. Que normalement, avec son diplôme et sa note de A, je devais vraiment avoir un niveau plus élevé que niveau 3 que là, j'avais. Parce qu'en fait, j'ai pris la première carrière que j'ai vue en rapport avec l'astronomie, l'astronaute quoi, bref, là où est ce qu'il doit faire, et j'aurais dû descendre un peu plus bas pour avoir Ranger de l'espace. Donc, nous allons chercher ça, parce que niveau 3, ça fait mal. Donc, voilà. Alors, parce que j'avais pris tout de suite astronaute ici. Et astronaute, nettoyeur de modules, c'est, je pense, ce qu'on avait. Et en fait, on va aller voir plus bas. J'espère que c'est vrai, hein, parce que sinon, ce serait dommage. Oui, c'est donc ça. Avec un diplôme universitaire pertinent, ce poste s'accompagne d'un meilleur salaire, de promotion facilitée, de plus de jours de congé et d'une prime à la signature. Une seule prime à la signature peut être remise par Sims tous les 7 jours, quelle que soit la carrière. Ah ouais, ça se voit, le salaire est vraiment... pas dégueulasse, et Ranger de l'espace, on est très bien avancé. Donc merci beaucoup à toi Pauline, qui est d'ailleurs là sur les lives, donc gros bisous à toi, et merci parce que franchement je me serais arraché les cheveux. Oh là là, vas-y, on a reçu déjà 4500 Simflouz. C'est lancé dans la carrière Ranger de l'espace, et on est au niveau 8. Yes. Et au moins on n'aura pas perdu notre temps à l'université, parce que moi j'avais cette tête là. Voilà, on n'était pas sauvés. Avec ou sans va, juste le diplôme. En plus, effectivement, on suffit juste d'avoir le diplôme dans la bonne catégorie pour pouvoir avoir accès à un truc aussi élevé. Donc n'hésitez pas, si vous avez un Sims qui a eu son diplôme à l'université et que vous avez, comme moi, fait la bêtise de prendre le premier truc, allez voir plus bas dans les métiers, quoi. Alors, il doit faire mission spatiale, qu'est-ce que c'est? Il doit partir avec sa truc. Bon, en même temps, il doit faire du sport. Hein. Donc, il travaille demain.
On va pas avancer beaucoup. Il doit faire du sport. Mais ça, c'est bien. Ça veut dire qu'il va devenir béger. Il va avoir des muscles et tout, hein. Bah vas-y, fais pas la gueule non plus, dis. C'est bon, c'est que ton oncle, hein. Ah, j'ai oublié de lui faire manger. Oh, c'est pas grave. Il mangera après. C'est toujours mieux le sport à jeun. Je dis ça, j'en sais rien. Je dis des bêtises. Ah, on a une monstresse qui s'est levée. C'est la petite nuage, c'est ça? Oui, c'est nuage. Nuage, elle commence à puer légèrement, s'il te plaît. Est-ce que tu peux commencer à faire eh bien, la cuisine pour ta gosse? Parce qu'elle elle va avoir faim aussi, enfin les deux. Enfin, surtout la deuxième d'ailleurs. La bichette? Nuage, qui est la seule gamine à ne pas avoir de moustache. Donc c'est formidable. Est-ce que tu sais aller sur le pot? Tu sais y aller. C'est super. Elle est quoi déjà? Comme trait de caractère. Elle est curieuse. Et elle grandit dans 2 jours! Ah, ben on aura peut-être l'occasion de la voir grandir dans cet épisode alors. On va la voir grandir aujourd'hui. Super, ça fera une gosse de moins. Eh ben écoute, bienvenue Bubble Town. Pourquoi tu râles? Bah c'est super moi s'il y a du monde, tu sais. Je préfère qu'il y ait du monde que qu'il y ait personne. Sinon c'est dommage. Tu aurais loupé l'occasion d'être prof. Ah non, c'est par moi si tu parles. Pardon, excusez-moi. Oh, niveau 3 de la compétence cuisine. Bravo Nathalie. Tant que tu mets pas le feu, hein, parce que tu nous as déjà foutu le feu à la gazinière, donc ce serait dommage. Monde au flambeau. Mais tu sais, alors. Non, tu vas pas pleurer. Tu vas venir manger. Qu'est-ce qu'il y a? Encore quelqu'un qui est mort. Ah non, c'est notre fille qui. C'est comment elle s'appelle déjà la première? Perle! Bah oui, elle est marquée en plus. Pff, tout va bien. Nous encourageons la créativité. Allez hop, c'est la faute de l'institut. Oh, pardon! Parce qu'il y a un prof parmi nous dans le chat. Faudrait pas qu'il le prenne pour lui. La monstresse, là, j'espère qu'elle pourra descendre. Faut que j'aille voir si elle peut descendre. Ouais, oh mon dieu. Casse pas tout, hein. On dirait un spermatozoïde. Hein? Pourquoi t'appelles ton père? Ah non, Pulco, non. Pulco, si tu veux, tu peux manger aussi, mais tu laisses ton gosse tranquille. Alors, maman. 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 Oh, regardez avec son cul, elle. Regardez, elle sort de son lit, on voit son cul avec son petit lapin. C'est mignon! Merde alors! Elle est contente. Eh, tu vas la choper. Bravo! Maintenant, tu attends, tu vas la poser là. Voilà, comme ça tout le monde aura mangé. C'est magnifique, ça va, Pulco? Je suis pas sûre que t'aies vraiment bien bossé, hein. Qu'est-ce qui. Ah, tu vas lui parler. Oh, notre femme de ménage! Mais elle est réparée? C'est assez. Non, c'est vrai. J'ai enlevé certains CC en fait. Donc du coup, j'ai fait le tri. Vous savez, elle avait un CC qui la faisait avoir des trucs bizarres, des points d'interrogation et tout. Je les ai mis sur des Sims, donc je les ai mis de côté entre guillemets, mais je les ai pas retirés de mon jeu. J'ai juste retiré un dossier avec certains CC. Et bah du coup il en fait partie quoi. Mais au moins on voit sa vraie tête. Bon elle a pas de cheveux mais ça c'est une autre histoire. Mais voilà notre femme de ménage entière et qui fait pas peur. Voilà donc c'est bien. L'autre elle se sert c'est parfait. Quoi? Oh Brodo il nous invite au bar. Bah non on n'a pas le temps. On n'a pas le temps on doit perdre notre brioche. Bonjour. Nathalie, il va falloir que tu fasses quelque chose de ta vie un jour. Hein. On ne sait pas quoi, mais il faudra. Tiens, dans ce cas, tu vas aller courir. Parce que les gamines, elles vont s'occuper toutes seules. Bordeaux. Pulco, il va finir de manger. Et merci. Oh, merci Trépunia pour le host. Merci beaucoup. Je me demande qui prévient quand un Sims meurt. La faucheuse? Elle envoie un texto? Qu'est-ce que t'as, toi, à gueuler encore? Nya, 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 nya. Bouffe! Mange, mais. Où est-ce qu'elle a mis son assiette, cette saleté? Au lieu de pleurer, là, tu pleures pourquoi, en fait? Vas-y, bouffe. Pulco! Non, laisse la gosse tranquille.
Pulco, ça suffit. Tu vas aller dans l'espace. C'est peut-être ça qu'il faut faire, moi je sais pas. Mission spatiale. Ils nous disent pas. Et après, t'iras refaire du sport parce que c'est la solution sine qua non pour que tu puisses. Ouais. Youhou! Il s'en va. Pour que tu puisses avoir une promotion. Maintenant qu'on a, on est arrivé enfin au niveau correct de notre carrière. Alors, tu vas babiller avec ta sœur. Ah! Vous êtes prêts dans le chat? Vous allez choisir. Hein. Chauve? Oui, elle est chauve. Oui, bah, ça arrive, hein, des femmes chauves. Hein. C'est pas courant, mais ça arrive. Imagine dans la vraie vie, t'es peinard chez toi, tu reçois un SMS pour te dire qu'un mec à qui t'as parlé deux fois est mort. Bon, ce serait triste quand même. Tu te dis, bon, ben. Voilà. Mais bon. Si on devait le faire pour vraiment toutes les personnes à qui on parle, vous avez même le caissier du Franprix, quoi. C'est chaud. Alors, course spatiale. Pulco fonce vers les profondeurs de l'espace lorsqu'il remarque quelque chose d'incroyablement brillant sous son vaisseau. En s'approchant, il entend des moteurs vrombir et se rend compte qu'il s'agit d'une piste de course interstellaire. Il y a une belle récompense pour le vainqueur, mais les candidats présents, pardon, ont un très bon niveau. Pulco ferait mieux de s'assurer que sa fusée est à la hauteur. Et est à la hauteur, pardon. Bon, vous êtes déjà en train de participer à la course? Ok, très bien. Alors, on va participer à la course. Enquêtrice Pauline mène l'enquête. Que faire pour faire une mission spatiale? Moi, je savais que vous serez à fond pour. Pour la. Oh, comment elle a bougé? Trop bizarre. Parler de princesse. Parler de sa couleur préférée. Partez! Pulco se met en place sur la ligne de départ. À sa droite, un RX-315 modifié, piloté par une caninosapienne. Yes. À sa gauche, un extraterrestre baraqué faisant vrombir le moteur de son TS-555. Son sourire révèle une rangée de dents d'un rouge éclatant. Ah ben, donc, c'était des vrais aliens aux dents rouges qu'on a vus à Six Sam. C'était vraiment ça, en fait. Bang! Le pistolet retentit. Et c'est parti! À toute vitesse! Une orange! Qu'est-ce qu'il y a? Meurs d'envie de s'amuser. Mais meuf, vas-y quoi. À toute vitesse, Pulco fait un excellent départ en prenant le 105e virage. Ah oui, quand même. Il réévalue sa position dans le groupe. Canina lui donne du fil à retordre et Dent Rouge n'est pas loin. Pulco doit-il déstabiliser Canina en la dépassant immédiatement ou se tenir à l'écart et garder son rythme jusqu'au dernier tour? Ah ah! À votre avis, on fait quoi? Est-ce qu'on garde notre rythme? Enfin, est-ce que Pulco garde son rythme ou est-ce qu'il accélère? Allez, on est full garder son rythme, donc on garde son rythme. Bonjour madame, vous pouvez partir s'il vous plaît maintenant. Regardez, il y a une assiette là. Alors, tu vas jouer avec ça, toi. Allez. Parce qu'elle a besoin de jouer, donc elle va jouer. Tati tata. Allez, monstre, joue avec le monstre. Monstre avec le joue. Victoire de Canina! Pulco accélère au dernier virage et sème Dent Rouge et Canina. Le moment est venu de montrer à toute la galaxie de quel bois il se chauffe. C'est alors que le bruit de son moteur est couvert par un sifflement aigu. Canina devient passer en hyper vitesse. C'est autorisé, ça? Canina prend la première place. Cette fois. Eh ben, nous n'avons pas gagné! Une baleine rose morte! Mais c'est affreux! Est-ce qu'on a vraiment envie d'avoir une baleine rose morte? Oh, bichette, elle est éreintée! Va te laver un coup, tiens. Hop! Et elle a remis ses fesses. Ah, c'est trop bien d'avoir de la moustache! Je suis trop cool! Ouais, trop bien! Alors? Est-ce que c'est bon? Mission spatiale, c'est bon. Que tu vas faire? Tu vas rien danser, tu vas faire du sport. Allez, tu vas me faire... Hein? Tu vas devenir BG comme ton père. Parce que ton père, c'était un sacré Sims, hein, moi je te le dis. Ah, toutes les filles dans le chat, elles en pouvaient plus. Oh, c'est vrai qu'il va falloir... Oh, je crois que c'est ce soir qu'il y a... Qu'on va aller voir les lutins, là. Parce que bon, on y est encore, hein, dans le truc. Ah bah non! Ah bah non! On a pu les lutins. Vu qu'on a eu notre diplôme, on s'est fait jarter. Oh, c'est triste!
On n'a même pas eu le temps d'aller au bout. C'est trop triste. Sniff Canina a triché. Pauvre baleine. Les extraterrestres peuvent les ressusciter, les créatures de l'espace mort. Ah bon? Baleine rose. Oui! Non! Oui, non! Je voulais regarder à quoi elle ressemblait. Elle a l'air bizarre, hein. Ah ouais, ils ont... Ah, oh, d'accord. Mais elle a combien d'œil parce que c'est... C'est mi-ventouse, mi-pieuvre, mi... Ils sont chelous, leurs baleines de l'espace, quand même, non? Donc on va... Comment vont les morpionnes? Bon, elle joue. Elle. Bah, elle s'éclate avec sa mère, c'est bien. Et elle révise assidûment. Puis elle doit pisser aussi. Il est temps que je m'en occupe d'elle, j'avais complètement oublié. Faudrait que je lui fasse avoir des copains, copines aussi. Ah bah la dernière fois on avait rencontré Philippe. Oh, un petit rouquin, mignon comme tout apparemment. Oh, elle en connaît qu'un. Et hop là. C'est mignon. Cette animation, je peux... Parce qu'à ce moment-là, les enfants, ils sont contents, donc ils sont mignons, ils sont pas relous, donc je pourrais la regarder indéfiniment. Avec ton SMS de la mort. Quoi? Il faut que je vous laisse, je pars à la chorale. Ah, bonne chorale. Oh, Trépunia. Tu voudras venir chanter avec moi un jour, alors. Faudrait donner un taf à Nat un jour, cette chômeuse professionnelle. Oui, oui, c'est Pauline. C'est Pauline. C'est prévu. Mais justement, je me dis peut-être que quand les gamines seront... seront grandes, quoi. Quand elles auront toutes grandi. Je crois qu'elle, par contre, elle pue. Hein. Ça pue. Ça pue, tu vas arrêter de jouer. Nathalie. Nathalie. Parce que voilà, on va s'occuper. Hop, tu vas donner un bain à nuages. On va s'occuper des gosses, quoi. Parce que c'est bien aussi. Qu'est-ce qu'elle fait, elle? Ah. On a une bambine qui est nudiste. La bambine nudiste, ça y est. Oh, mon Dieu. C'est vrai que quand ils sont dynamiques, ils aiment se foutre tout nus, hein. Donc, bon, là, elle... Oh, on voit sa zézette. Elle a un peu une couche. Voilà, voilà. Voilà quoi on est rendu, hein. Aïe, aïe, aïe. Oh, et puis elle monte son cul, vas-y, c'est la fête et tout. Puis elle est contente, hein. Des vêtements? Pourquoi faire? En même temps, c'est vrai qu'on est tout nu, hein, donc, bon. C'est la nature qui veut qu'on soit tout nu, hein. Bon, ouais. C'est bien, c'est que dans les Sims, il n'y a pas de pédophiles, donc on est tranquille. Elle peut se balader à poil en pleine ville. Il n'y a pas de pervers qui vont faire des photos ou qui vont la kidnapper pour lui faire des saletés, donc c'est bien. Bon, rhabille-toi peut-être maintenant. Enlever ses vêtements. Non, mais changer de tenue. Allez, tu vas mettre ta tenue là. Avec tes... Mais transforme-toi en petit papillon. Qu'est-ce qu'elle veut, elle? Non, mais va manger, va te calmer. Transforme-toi en petit papillon. Mini le papillon. Oui, c'est vrai. Ça aurait dû être une souris. Les poils pubiens blonds. Ah, t'es dégueulasse. Pas cet âge-là, quand même. Ce serait grave si elle avait des poils pubiens à son âge. Ah, elle peut monter les escaliers. Mais quel bonheur. Bon, après, toi, t'iras te calmer, hein. Parce que, voilà. Donc, la grande sœur, la petite sœur, la grande sœur. Elle se fait laver les fesses. Ouais, un petit canard, ça fait du plaisir. Surtout s'il vibre. Ouais, c'est grave quand même. Bon, voilà. Pulcott, il fait son petit sport et il est toujours au premier truc. Je suis en train de me dire, la bouffe... Ah bah non, la bouffe, elle a été rangée. Bah, tout va bien, alors. Elle est... Je suis vénère. Allez, hop. À la douche. Je vais regarder juste, mais bon... Elle grandit dans 10 jours, donc on a encore peut-être
trois lives avec elle en enfant avant qu'elle grandisse. Ça va être intéressant de les voir adolescentes les trois. J'espère qu'elles seront pas qu'elles auront pas la même tête parce que ce serait pas cool. Tu vas te calmer, allez. Tu vas te calmer. Moi je m'en fous, tu prends ta douche froide. Sinon tu vas tout casser. Compétence niveau 6 pour Pulcott. Braval mon petit. En plus il est content et que je suis bête. Oh, je suis maladroit. Oh, punaise. Non, pas la gosse. Ah, il commence à être éreinté. On peut les tuer d'être éreinté? Oui. Arrête. Tu vas faire un peu de muscu pour tes biceps. Voilà. Oh, qu'il est beau! Ah, qu'il est beau le pulco! Ah, ça y est, c'est enfin transformé en petit papillon. Ben, maman, dès que tu auras fini, tu pourras aller laver la plus petite parce qu'elle commence à puer. Hop. Et elle, elle est où? Ouais, elle descend. Ah, j'allais dire, elle va descendre les... Mais non, et à cet âge-là, enfin, ils ont pas fait les bambins qui descendaient les marches normalement, quoi. Tu vas aller sur le pot. Parce que là... qu'est-ce que c'est mignon, le petit papillon? Plus le coup, on a marre, hein. Et merci, Claire Abbé, pour l'abonnement YouTube. Oh, regardez comment il a maigri! Magnifique. Ah, tu es beau, Pulco. Oh mon dieu, est-ce qu'il se passe rien? Oh là là, je suis choquée. Je t'aurais bien fait prendre un bain, en fait. Bon, tu vas pisser, alors, à la place. Puis dès que la baignoire sera dispo, ce sera bien. Et Astreaero, merci beaucoup pour le follow. Et bienvenue à toi. Salut Skyrim. Si. Grave, pas de danger, la belle vie. Le papillon qui pue. Ouais, mais petit papillon quand même. Hey. Ah, il va pisser devant sa fille, lui. Il sort son sgeg comme ça, tranquille. Ah, je veux dire, t'as plein de toilettes, Pulco. Pourquoi choisir celui-là? T'es pas un peu exhibe sur les bords? Voilà, un petit papillon qui sent bon. Allez, on va jouer. Elle est sur le pont. Pulco, tu vas prendre un bain de mousse. Non, pas donner, prendre, pardon. Prendre un bain de mousse, vas-y. Regardez comme il a maigri! Aïe, 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 aïe! Ça marche bien le sport dans les Sims. Pourquoi ça marche pas en vraie vie? Enfin, parce que déjà, je fais pas de sport, donc c'est sûr que je pourrais pas m'affiner aussi fort que eux. Mais bon, c'est pas aussi rapide dans la vraie vie. Hein. Salut Damien Peace, comment tu vas? Je suis enfin en vacances. Ah, c'est les vacances? Je sais pas, moi, je suis... Il sort sa chenille devant son papillon. C'est horrible. C'est glauque. Tu oublies la noyade. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la noyade? Vous voulez tuer qui? Alors, Nami, je te présente Pulco Relooking. Qu'est-ce qu'il fait? Il nous fait un drama king dans la baignoire ou quoi? Oh, bichon! Ouais, il est triste parce que ses filles, elles ont de la moustache et donc elles sont moches. J'adore sa tête, il est trop beau. Yo yo yompi. C'est vrai que vous entendez peut-être pas. Allez, je vais mettre à 100% que ça vous entendrait bien. Voilà. Parle à ma main. T'es un peu bugué, Pulcott, hein, je crois. Bon, voilà. Voilà. Ça va mieux, hein. Oh là 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 là, sacré Pulcott, hein, il nous en fera faire. Ouais, tant mieux s'il va bien. Il était tristoun à cause de son tonton. Ah, c'est bien, tu lui apprends... Ah, on va apprendre le simlish maintenant, les enfants. Poel. Zibna. On va faire comme la dernière fois, on avait appris. Des cubes. Zig.
Shoujobin. Les toilettes. Pulco Drama Queen. Stiel, ma créature, il se part de moi. Le sport, c'est mal. Oh, je t'accueille, Pulco. Oh là 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 là. Oh là là. Regardez comme il est tout beau, là. Comme il a maigri. Oh, qu'il est beau. Qu'il est beau, le Pulco. Oh, Bordeaux. Tu vois, il est content. Non, non, on a une femme de ménage. Donc, on va pas la payer pour rien. Tu vas ouvrir ce qu'il y a dans le frigal. Pas grand chose. Tu vas manger. Sachant que il travaille quand du coup? Bah, demain. Demain à 10h. Ok, très bien. Et qu'on doit encore développer sa compétence de truc niveau 10. Donc on va y arriver. Hein. On a gagné un niveau en sport. On y arrivera. Oh, regardez le petit papillon! Les yeux marrons. Pas grave, quand elles grandiront, mais les filles, je leur ferai avoir de la chirurgie esthétique. Et elles auront les yeux bleus. Magnifique. C'est une danse en collaboration. Mais toi, vas-y, viens, participe aussi, ma petite nuage. Oh, des cubes. Ah bah non, elle va se coucher. Attendez, tu vas te coucher? Non, tu vas pas te coucher. Tu vas venir manger avant. Ce serait dommage de perdre ton temps. Ce serait dommage de perdre ton temps. Ça va. Nathalie, elle va pisser. Je vais aller se pisser. Et tu vas faire à manger. Servir le dîner. Sandwich au fromage fondu. Allez, ça sera rapide. Oh bah ça s'éclate là. Ah, c'est la folaille, hein. Les pisseuses, elles s'éclatent là. Bon, toi, tu vas faire tes devoirs aussi, peut-être. Mais elle a déjà fait ses devoirs toute seule? Travaux de Manuel cette saison. Mais attendez, mais cette gosse, je la gère pas, elle se gère toute seule. Oh, elle a fait un truc. Attendez, je l'ai mal mis. Elle a fabriqué une guirlande de cœur. Oh, c'est trop chouchou. Hein, c'est trop chouchou, doudou. Mon chat, il est en mode furtif. Qu'est-ce qu'il y a? Saleté de chat. Bref, c'est bien, la gamine, elle se gère toute seule, c'est super. T'es pas en train de monter, toi? Non, viens ici. Ah, c'est gosse. Oh, ça me donne envie. Oh. Ah, faut pas que je joue aux Sims. Moi, ça me donne faim, moi. C'est saloperie de Sims. Toi, tu vas avoir faim aussi. Viens manger. Qu'est-ce qu'elle fait? Non. Pourquoi cette obsession sur les gamins? J'en ai marre. Toi aussi, t'as faim. Bah, viens manger. Elle a tout compris. Bon, finalement, Minnie, elle est moche, mais elle a peut-être quelque chose dans la tête. Hein. Toi aussi, t'as quelque chose dans la tête? Mon chat, bien sûr, évidemment. À qui voulez-vous que je parle? Coucou, Linette, comment tu vas? Les lentilles colorées suffiront, nul besoin de chirurgie. Ouais, mais ça veut dire que les enfants devront hériter des yeux marrons, tu vois. Bah, quoi qu'à la base, même si on les... Ouais. Enfin, bref, j'ai dit des bêtises. Il va bien Canal+. Eh ben, Canal+, n'a plus sa parabole. Je lui ai enlevé. Donc, il est en mode normal. Bah, il a encore faim, j'en peux plus. Mais il a mangé. Ouais, t'as remarqué, il est déjà cette heure-là. J'avais pas vu. Bah, t'attends, loulou. Je vous jure. On doit gérer tout ça, hein. T'es que à ce niveau-là, Pulcote? Mais tu vas jamais réussir, hein, on va jamais monter. Ouais, 28%. Puis il se fait 22h. Bon, les Morbac. Regardez-moi la boulimie. Tu as mangé combien de fois? Ah non, c'est la même assiette, pardon. Oh, mais toi, t'es crevax, hein. Toi, je t'ai demandé de bouffer. Pourquoi tu me casses les pieds? Laisse cette gosse. Ouais, surex aussi. Ouais. Hey, papa! Tu vas monter, tu vas être couché. Allez hop! Au lit tout le monde! Allez vous coucher, vous me cassez les pieds. Elle, une fois qu'elle aura fini de manger, ce sera dodo aussi. Toi! Oh bah elle regarde la téloche! Ouais, enfin, y est l'heure, hein, Perle! Il va falloir aller se coucher, hein!
En plus, si tu regardes des trucs qui sont nuls, je peux pas t'aider. Hein. Bon. Tu parles à moi, Tatou? Un peu handicapé, je me suis fait mal en haut de la jambe. Un idiot s'est garé trop près de ma portière de voiture et mes torsions pourraient entrer. Oh là là! Oh ma pauvre! Faut demander des massages, ma petite Linette. Faut te faire masser. Est-ce que tu as une baignoire? Est-ce que tu as pris un bain chaud pour te relaxer et puis te faire masser? La logique monte plus vite quand on est concentré. On devient concentré en interagissant avec un verre d'eau. On devient concentré avec un verre d'eau? Mais hors de question. J'ai pas vu le follow. Je suis désolée. J'ai raté. Je suis nulle. Attendez, je vais aller voir. Là. Attendez. Tac. Je vais aller voir ça. C'est pas du tout ce que je voulais voir. Mais c'est pas grave. Merci, Twitch. Merci, Twitch. Ah, je vais regarder. Enfin, vous remercier la personne. Je suis désolée. Tenez bon, chargement. Oh, je tiens bon. Et c'est Roman. Merci beaucoup, Roman, pour le follow. Oh, désolée, hein, j'ai mis du temps à afficher le truc. Sinon, chez mes grands-parents, il y a une... Oh, c'est cool, tu vas adopter des Animax. Des Animax. Ouais, elle va se coucher. Ah oui, c'est vrai. Oh, attendez, il y a de la bouffe là. Qui c'est qui est un des gamins qui a pas mangé? Ça, je vais mettre ça là. Et puis, Pulcote, il va aller se coucher aussi. Hein. Il commence à être fatigué. Est-ce qu'on va regarder à combien tu es? Au moins à moitié de la. 47, 48. Ah, 50. Allez, tu peux arrêter. Et tu vas aller te pioter. Demain est un autre jour. Demain, tu es ranger de l'espace. Et on t'appellera Buzz. Je crois que c'est analyse des niveaux de remplissage du verre, un truc comme ça, mais ça dépend peut-être du temps de caractère. Ah ouais, c'est possible ça? Je me suis massé avec mon gel pour l'épaule, ça moindrait la douleur, mais c'est toujours... Oh ma bichette. C'est qui dort sur le canapé? Oh, punaise. Mais c'est gosse. Bon, elle se gère toute seule, mais... Elle est pas forcément bien finie, celle-ci. Hein. Je crois qu'il y a un problème avec les lits. Hein. Bon, Sophie. Ah oui, Sophie. Sophie qui était morte. De toute façon, on n'a plus accès à la société secrète. Donc, c'est triste, mais c'est comme ça. Merci, Maman Grenouille, pour cette remarque très utile sur le canapé, puisque sinon, je n'aurais pas pu... C'est horrible, il y a des reflets verts, jaune, vert, caca. Ça doit être les reflets de la cheminée, mais quand même, c'est pas très joli. Hein. Balance. Vous avez déjà Wiki Quentin, mais ça me dérangerait pas le nombre de fois où je me frustre dans mon écran en mode... Ah mais non, c'est comme ça. Mais je savais même pas qu'on pouvait... Non, mais de toute façon, il n'y a pas d'évier, donc je peux pas avoir de verre d'eau. C'est pas grave. On y arrivera. S'il faut, je le ressusciterai. C'est bientôt l'anniversaire de Nuage! Ah bon? Ah bah oui, dans 2 jours maintenant. Parce que c'est vrai qu'en général, quand il te le dit, c'est dans 2 jours. 1 jour! Ah! C'était pas 3? Pourquoi les Sims, vous avez du mal avec les comptes à rebours un peu, non? Parce que déjà avec la fac, j'ai eu du mal à capter quand est-ce que c'était la fin du semestre. Mais là, on passe de 3 à 1 jour. Oh, Perlouse, bon, elle rêve de mort, de cimetière, mais elle va se pisser dessus aussi. Bon, il est 5h30, dors, hein, cocotte. Ouais, c'est le premier épisode de Game of Thrones ce soir. Trop bien. Là, tu vas te laver aussi, tant qu'à faire, même si il n'y avait pas très très crade. C'est toi que j'entends si fort! Cours de perles commence dans 1 heure. Oui, bah après elle va aller manger. Il y a maman qui se lève, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va aller danser, d'accord. C'est.
Non, mais vas-y, fais tout ça, quoi. Quand même. Ah, Pulcote, il est en jeu. Regardez-moi ce beau gosse. Ah, qu'est-ce qu'il est beau, le Pulcote. Pulcote, 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 citron. Oh, Enesu. Oui, mon loulou, t'as faim, je sais. Puis tira à manger aussi après. Il pense à son daddy. Oh, c'est mignon. T'as vu, papa? Je pisse et je pense à toi. Enfin, ouf, je fais caca, j'en sais rien, j'ai pas été voir. Les deux autres monstres continuent de dormir, c'est parfait. Notre petite Nathalie. Elle va faire griller du poulet. Parce qu'à 7h du... Enfin, 8h du matin, elle avait une envie de poulet. Mais, ah oui, mange-toi, j'allais dire. Elle est en cours, hein, cocotte? Non, tu nettoies pas, on a une femme de ménage. Pulcote, après avoir maigri, qu'est-ce qu'il fait? Il mange du gâteau. C'est parfait pour reprendre les kilos. Ah donc, c'est bien à moi que tu parlais, Tatou. Alors, ma formation, j'apprends un logiciel pour créer des patronages et gérer des patronages sur ordinateur. Donc, voilà. Des patronages sur ordinateur, tout simplement. Et puis voilà, on est déjà à 2 semaines de formation. Deux? Ouais, demain ça fera de fin de la 2e semaine. Et j'ai appris déjà énormément de choses. Ah, alors du poupoule. Il commence à 10h l'animal, hein. Tu vas faire des recherches sur machin là. Tac-tac, web. Parcourir Simpedia. Ça, je vais lui faire travailler son. Oui, papa, papa, papa. Réfléchir à une stratégie. Tu commences dans 1 heure, mais tu vas travailler un peu ta logique. Alors, du poulet maïs. Magnifique. On va se mettre là, là. Mais non! Déjà, toi, tu devrais manger. Au lieu de... Voilà. Ah, d'accord. Ah, oh là, oh là, oh là! Mon Dieu, il y a trop d'assiettes dans ma vie. Hein. Moi, je sais pas quoi en faire. Hein. Frenchman, vous croyez que je peux manger dans les 2 assiettes? Je lèche l'une qui est sale et je mange ce qui est dans l'autre. Ou le contraire, je ne sais pas. Oh là là, trop d'assiettes, mademoiselle, là. Ouais, c'est une serveuse dans l'âme, mais elle doit travailler en restauration, là. C'est bien. Bon, tais-toi. Ah, elle mange! Regardez son assiette, ce... Mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Mais non! Mais c'est pas vrai. Ouais, bah c'est trop tard, tu dois aller bosser. Va bosser, va bosser, va bosser. On s'en fout de la fête de l'amour. Nous, ça, c'est nul, l'amour. Ça n'existe pas. Mais, oh putain, d'accord. Elle est bégay. Voilà! Puis comme ça, elle viendra jusque-là. Toi, tu vas faire connaissance avec des gens. Toi, qu'est-ce que t'as encore à pleurer? Quel est ton problème dans la vie? Sale gosse. Viens ici, on va te donner à manger. Elle. Bah, elle dort, elle est tranquille, elle va pas faire chier son monde. Nathalie Jolie. Putain, mais l'obsession pour danser quand même, elle est là. Tiens, tu vas réparer la truc. Ce sera pas monté pour rien. Notre femme de ménage vient récupérer les assiettes. Parce que là, ça n'allait plus. Oui, c'est intéressant, t'as tout, effectivement. Je vois que la petite maison de poupée est toujours du sol. J'ai regardé la rediff tout à l'heure du précédent épisode. J'en ai jamais testé non plus le coffre-fort. Ah! Et merci pour le nouveau Learned les 10, j'aime trop cette... Ah, c'est gentil, merci beaucoup, Linette. T'es adorable. Pas plus beau que Jackie. Oh! Quand même. Ouais, je sais, Jackie, il a du level. Hein. J'avoue, Jackie, c'est pas n'importe qui. Toi, c'est vrai, il travaille dur. T'as tranquille la vie, Nathalie? Qu'est-ce qu'elle fait, elle? Ah oui, on va lui donner à bouffer, c'est vrai. Alors, ouvrir. Regarde, il y a des trucs. Mange. Mange des fruits, c'est bon pour la santé. Hop là! Bravo, cocotte. Bon, ça y est, elle est déprimée, notre femme de ménage, parce que...
Parce que je sais pas, elle a fini ses missions, donc elle dit oh, maintenant je dois partir de la maison, mais moi je l'aime trop cette maison. Voilà, 65 simflouzes. C'est cher payé pour ce qu'elle fait, moi je te le dis. Non. Tu peux féliciter ta fille. Elle. Elle, toi, on va t'apprendre quand même le pot à un moment donné, parce que sinon tu vas te faire dessus ad vitam aeternam et ce serait pas cool. Mais attendez, ça c'est mini, c'est la dernière. Elle galope déjà comme ça. Regardez-moi ça. What? Mais elle a monté sa compétence mouvant aussi ouf. Elle est déjà niveau 4. Elle a grandi en fin du live dernier. Je suis choquée. I am shooked. Non, fais pas dans ton... Non, non, non. Allez, vas-y, arrête de bouffer. Arrête de bouffer. Maman, 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 maman. Maman, maman, maman. Le pot à mini. Vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y, vas-y. Ouf, ouf, ouf. Crime de haut vol à SimSpace. Je sais pas pourquoi, quand je dis SimSpace, ça me fait penser à YouTube Space, qui a rien à voir du coup, mais bon, c'est pas grave. Pulco découvre avec stupeur que la corruption règne ouvertement dans les plus hauts échelons de SimSpace. Aujourd'hui même, un ranger bien placé du quadrant de Sixam a eu le culot de lui faire un clin d'œil tout en plaçant des objets de contrebande dans la cabine d'un routier spatial effectuant de longs trajets. Ce n'est pas le travail de Pulco d'enquêter sur les autres rangers, mais l'arrestation d'un profil aussi important pourrait être l'élément déclencheur du retour de l'ordre de la justice. On pourra pas faire ce que j'aurais envie de faire. Pulco va-t-il oser révéler au grand jour les crimes perpétrés au sein de son service ou laisser la police des polices s'en occuper? Procéder à une arrestation, Pulco augmentera sa notoriété, améliorera sa réputation et gagnera de l'argent. Pulco démissionnera. Ou regardez ailleurs, il n'y a aucun changement dans la vie de Pulco. Alors, en let's play, où je n'aurais pas d'objectif, j'aurais procédé à une arrestation et il ne travaillerait plus là. Le problème, c'est qu'on est dans le Not Soberry et que je dois atteindre le niveau 10 de la carrière, donc... Je vais être obligée de regarder ailleurs, même si normalement, moi, dans mon âme et conscience, j'aurais fait l'arrestation. Mais le challenge étant que, bah voilà, je peux pas me permettre de rater le challenge pour ça. Donc je suis toute mais confuse. Trop stylée la femme de ménage chauve, hein, oui, hein. Ok, Céline, je prépare les ordi quand un agent elle se fait planter. Quoi? Moi, je répare les ordi quand agent elle fait planter avec son logiciel. Mais je fais rien planter, moi. Dis donc. Trop tard, elle s'est fait dessus. Saleté. Saleté de gosse de sa mère. C'est pas grave, tu vas lui apprendre quand même. Tu vas lui apprendre quand même, comme ça, ça évitera la prochaine fois. Quoi? Pourquoi? 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 Tu me casses les pieds. Qu'est-ce que j'en ai marre de ces bambins, là. Tout est bugué avec ces saloperies de bambins de sa mère, là. Le calme et la volupté. Regardez comment elle galope. Elle va plus vite que sa sœur. Tu fais bien. Eh ben, Minnie, elle go bien pour un poney. Pour une souris. Je suis en retard sur le visionnage, regardez les trois à la fin de Soberry, Decade Challenge, j'ai un dédié, je me prends peut-être... Oh oui, c'est Decades, c'est le Decades pour le coffre-fort. Mais pareil, il y a plein de monde qui m'a dit qu'ils ne savaient pas. Mais pourtant, c'est vrai que moi je le sais parce que depuis Hors de Gloire, ils en avaient parlé tout ça. Enfin, je me souviens... Et je ne l'avais jamais utilisé. Donc c'était une... La bonne occasion, en fait. J'ai peut-être spoilé. Oups. Mince. Dans le dernier décès, Esther et son homme font du sexe de temps. Oh. Ils ont joué à cache-cache sous les billets. C'est tout ce que je dis. On sait pas ce qu'ils ont fait. On a rien vu. Hein. Ils ont joué à cache-cache. Flirter avec ses collègues. Fais-moi voir un peu ta perf est bonne. Se promener dans l'univers. Voilà, ça fait monter un petit peu. Se faire des contacts, pas trop. Travailler dur, oui, tu vas voguer dans l'espace.
Il faut que le niveau 2 de la compétence physiologie au rang 8. En tout cas, je suis obligée de me taper quasiment le fitness niveau 10, quoi. Vous imaginez pas le nombre de trucs qu'il faut avoir au niveau 10 pour Pulco. On doit avoir le bricolage, on a toujours pas... Bon, on est toujours sur presque 9. On doit avoir la physiologie, on l'a. On doit avoir la logique pour l'aspiration. Et je pense qu'on va devoir avoir le fitness pour sa carrière. Donc c'est un truc de ouf, quoi. Un truc de ouf. Voilà, comme ça, elle a refait dans le pot. Bravo, Mini! C'est bien, Mini! Ah, c'est trop drôle, la vie. Allez, tu vas t'occuper de ta marmotte. Non, alors, je voulais elle. Je vais mettre pause parce qu'avant que ça part en vrille, parce que j'ai pas pris assez de 1. Tu vas. Ben non, pas prendre. Non, ça, non. Convaincre de éducation. Alors, tu vas. Demander de se laver. Quoi? Apprendre à dire s'il vous plaît et merci. Voilà. Il n'y a pas d'âge pour apprendre. Ah, c'est trop bien! J'ai un chat qui attend pour manger. Oh, salut Naru! Bienvenue! C'est gentil pour le raid, merci beaucoup! Bienvenue tout le monde du coup. Bon, vous m'avez vu peut-être arriver en chantant. Parce que j'ai imité la gamine. Hein. Bienvenue tout le monde! Re Roman! J'avoue que le coffre, c'est pas vite temps à trouver. Je sais même plus, je crois que j'ai tapé dans la barre de recherche pour trouver le coffre-fort parce que je me souvenais plus. On n'a rien vu. Dommage qu'il n'y ait pas de sexe dans la piscine. J'avoue, c'est vrai, un petit plongeon profond. 20 ans, ça ne nous rajeunit pas. En tout cas, bienvenue tout le monde. Hein. Bon, alors on est sur le lot de Sauberry. Où là, les enfants que vous voyez, les marmottes, là, c'est de la génération grise. Nous avons donc Perle, qui est une fille, enfin, qui est fille enfant, quoi, on va dire plutôt, qui est à l'école. Nous avons la petite Nuage, qui... Bah, elle va sur son pot toute seule, mais c'est magnifique. J'ai des gosses qui s'éduquent tout seuls. Et la dernière, qui est Mini. Hein, forcément, les prénoms ont toujours un rapport avec la couleur de leur génération. Et nous avons Pulco. Parce que Pulco Citron, qui est au travail en tant qu'astronaute et ranger de l'espace. Le plongeon profond. Je suis nouvelle sur la chaîne, tu fais quoi comme jeu? Beaucoup de Sims. Beaucoup, beaucoup de Sims, on va dire. Après, ça m'arrive de faire autre chose, comme du Age of Empires ou SimCity, là, qu'on a ressorti il n'y a pas longtemps. Ce serait une bonne idée de reprendre ça. Qu'est-ce que tu vas faire, toi? Viens manger, là, il y a quelque chose à manger. Ouais, elle va me casser la maison. Il est hors de question. Mais qu'est-ce qu'elle a? Sans merci. Oh, mais saleté. Alors, Perle est revenue de l'école. Et ça, c'est Perlouse. C'est l'aînée, du coup. On a 3 filles. Et oui, on a eu 2 générations. Pourquoi il y a à bouffer par terre, là? Bon, bah, vas-y. Et on a eu 2 générations où c'était des garçons qui étaient héritiers, dont Pulco et son père. Et là, bah, on a eu 3 filles. Donc, bah, la génération grise sera féminine. Et donc, elle, c'est Nathalie, la maman, qui pour l'instant ne travaille pas. En même temps, je crois que je vais attendre que la dernière, elle soit à peu près grande quand même. Et elle, par contre, elle galope, mais je suis amchoukte de la galopade. Et il y a eu des fois, il y a du géoguessin. C'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas fait du géoguessin. Trop bien, j'adore les Sims. Bah, tu es bien tombé. Tu as eu où le challenge? Eh bien, c'est le challenge de Sauberry que... Bah, les règles sont sur Internet, sont sur le forum. Si tu veux, je te les donne. Je les ai ici. Tac! Et je te les balance dans le chat. Tac, tac, tac. Tu as les règles ici, et puis voilà, tu respectes. Tu follow, quoi. Bonne app, Pauline! D'ailleurs, quand est-ce qu'on va à SimCity? Ben, j'avoue, là, je suis à fond dans l'opéra, dans mon opéra. Donc, mais ouais, ce week-end, je pense qu'on va se refaire un peu de SimCity. Je pense que ce week-end... c'est pas exclu que demain, je fasse un live au soir aussi. Enfin, au soir, 18h, quoi, comme d'habitude. Comme je suis pas en formation demain après-midi. Faut voir si j'avance bien. Faut que je recorde le Lord and Lady, numéro 4.
que je ferai le montage ce week-end. Donc du coup, normalement, il y a moyen. Ah, c'est cassé. Pulco, il va pouvoir venir réparer. Cocotte. Non, tu vas pas nettoyer. Je t'ai dit, on a une femme de ménage. C'est elle qui le fera pour toi. Tu vas aller faire tes devoirs surtout, hein. Voilà. Oh, regardez notre Pulco comme il était. Ça, c'est quand il était jeune. Il avait 39 ans. Genre, après, il a eu 40 ans et maintenant, il a été relooké. Avec son petit diplôme. Oh, qu'il est beau. Le lavabo. Elle est partie, où elle? Ah. Bah, écoute, oui, la petite, elle joue. Bon, ça va, elle fait sa life. Nathalie, tu fais quoi? Non, non, non. Non. Renommée machin. Mais joue, cocotte. Joue à la poupée. Ouais, ou joue avec tes cubes, je m'en fiche. Mais vas-y, hein, fais ta vie. Tiens, tu peux venir là faire jouer à la poupée si tu veux. Elle a fait ses devoirs, Nathalie. Tu peux venir l'aider à faire ses devoirs. Tiens, comme ça, voilà. Tu te sentiras un peu utile au final, hein. Tu veux pas jouer à la poupée, toi? Va jouer à la poupée. Ah non, rejoindre, rejoindre. Oh là là, mon dieu. Ouh. Compliqué la vie. Bon, il revient à 18h, Pulcote. Bon, il me manque déjà. Il est parti, il me manque déjà. Il faut des packs pour le faire. Ouais, il faut... déjà, rien que pour commencer, tu dois avoir le pack au travail. Parce que la première génération, ton Sims que tu fais, doit être scientifique. Donc ouais, il faut quand même pas mal de trucs. Le live vient de commencer ou pas? Ah non, non, je l'ai commencé à 18h. Ça fait déjà 2h. Salut Valérie. Salut Bubble Town, à bientôt. Mais c'est un régal, les cuisses de grenouille, j'adore ça. Ah, quelle horreur! J'ai jamais goûté, mais je veux pas, moi. Je peux pas, c'est... Bravo, Perlouse! Braval, Perlaz! Allez, tu vas regarder la télé un petit peu, c'est ta récompense. Et Nathalie, elle se retrouve encore une fois sans rien faire. Bah, vu que Pulco y rentre, hein, qu'on puisse s'occuper, parce que c'est triste. J'ai eu la phobie des grenouilles et crapauds. Oh. Ouais, Miss Licorne, il faut quand même pas mal de packs, parce que aussi la deuxième génération, la génération rouge, donc qui était le père de Pulco. Lui, c'est, je pense qu'il faut avoir vie citadine parce que c'est la carrière politique. Et puis voilà, t'as des objectifs qu'il faut remplir, donc tu peux pas faire... Oh, 2000 siflouzes! Pa-pa-pa! Lui, il est astronaute, mais je pense que c'est dans le jeu de base, donc tu pourrais à la limite faire la génération jaune, mais je sais pas ce que t'as, si t'as comme... quoi que t'as comme pack, mais ouais, il en faut. Il en faut pas mal. Moi, comme j'ai tout, bah, je suis pas limitée, mais... Après, t'iras prendre ta douche. Et puis, on va retravailler un petit peu sur ses compétences, le petit, là. Ah oui, tu vas aller réparer ça. Tant qu'à faire. Vu qu'on doit m'augmenter toujours sa compétence bricolage. Et ben voilà. Bon, t'as pas vraiment beaucoup augmenté au niveau de ta compétence, mais bon. Qu'est-ce que je vais pouvoir compléter? Est-ce qu'on continue la logique? On va continuer un peu la logique, je pense. Tu vas réfléchir à une stratégie. On va faire un peu de tout, on va essayer d'augmenter un peu tout. Et après, tu pourras jouer. Il est quand même vachement BG, notre petit... quand même. J'ai les Sims 4, mais j'ai aucun pack. Tu me conseillerais quel pack pour commencer? Alors moi, mon préféré, c'est Saison. Parce que ça révolutionne complètement le jeu. Et puis la beauté du jeu quand tu as les saisons. Bon là, on arrive au printemps, donc tu vois, ça renaît un peu les fleurs et tout. Mais en étant en hiver, c'était rempli de neige et tout, donc c'est vraiment cool. Mais après, ça dépend de toi ce que tu veux et comment tu joues. Donc je peux pas te conseiller trop non plus. Mais je pense que moi, pour moi, Saison est un indispensable. Voici un mâle grenouille en colère. Blerk. Team cuisse de grenouille. Pour tester deux ordinateurs, j'ai joué à Age of Empires et au Sims 4 en stage. Ah, pas mal. Et bah, Age of Empires, il doit être moins gourmand quand même que Sims 4. Hein, je pense. J'ai jeu de base, chien et chat et vampire. Bah, c'est pas mal déjà. C'est vraiment pas mal.
Mais pour, en tout cas, ben pour le notre Sobéry, tu pourrais pas tout faire, ça c'est clair. Personnellement, j'ai commencé par ajouter les saisons. Voilà. Je te conseille être parent. Oui aussi. Mais en fait, ils ont tous quelque chose de bien, donc on peut pas dire. Voilà. Moi, je pourrais pas dire non, ça c'est nul et tout. Ben voilà, ils ont enfin compris, regardez. Ils laissent des trucs traîner partout parce qu'ils ont compris qu'on avait une femme de ménage qui pouvait passer. C'est bien mon pull cut, t'es beau. Si tu pouvais augmenter ta logique, ce serait parfait. Au moins au niveau 8. Ah, mais non, toi. Va courir. Moi, j'aime bien, c'est que je les envoie courir à chaque fois qu'ils me cassent les pieds. Je les fais partir. Allez, va courir, dégage. Non, mais toi aussi, tu vas aller courir, hein. Oh, tu te prends pour qui, Perle? Sauf qu'on peut pas enlever la nourriture gâtée. Parce qu'en plus, t'as des trucs qui moisissent sur toi. Ah non, mais fais pas la vaisselle! Il y a un bug avec les... Bon, on a eu une mise à jour hein, il y a quelques jours, donc voilà, il y a encore un bug avec la vaisselle. C'est pas possible. Ah, t'es fatiguée, cocotte. Qu'est-ce que tu pourrais faire, inventaire? Il n'y a pas un jouet qui traîne là? Tu pourrais jouer avec émotion? Si, regarde, t'as un canard. Super. Tu vas jouer avec émotion. Ça te fera du bien. Et j'ai pas pensé au jeu du docteur. Mais elle galope! Regardez-moi ça! Elle me tue, la gosse! Elle me tue, la gosse! Ah, puis alors, elle me casse les pieds. Hein. J'ai faim! Non, j'avoue! Excusez-moi, je vais y arriver. Je vais lui faire monter la bouffe plutôt que elle bouge. Voilà, on va faire ça. Vas-y, tu vas prendre ton assiette. Ok. Hop là. Et c'est fait. Et là, elle continue de crapahuter partout? C'est pas possible. Attendez. On va regarder ce qu'elle voit, parce que c'est encore plus drôle. Et hop là. Bon, je sais pas ce qu'il y a autour là qu'on voit, mais. Elle court partout. Et hop là! Oh! Ah bah non. Ah oh, ah oui, ah oui, je préfère raser les murs, t'as raison. La chambre de papa et maman! Non, finalement, c'est pas intéressant. Allez, on est reparti. La chambre de ma sœur. Et là, on est reparti. La chambre de mon autre sœur. C'est superbe. Mais en fait, il s'arrête jamais. Elle s'arrête jamais. Mais c'est flippant. Ah, c'était sa capuche. Maman. Vas-y, viens. Wesh. Maman. Viens prendre repos à minuit, parce que j'ai vu qu'elle avait, elle commençait à avoir envie là. Mais elle est surex. Elle est surex, cette gosse. Mais elle. Et elle aussi! Non mais c'est quoi ces gamins? Elle, je lui fais monter la bouffe! Qu'est-ce qu'elle choisit? Elle descend pour manger. Elle, t'as un lit! Pourquoi tu dors tout le temps sur le canapé? Ah, oh, il me fatigue. Il me fatigue. Et toi, t'en es où là? T'as. Oh, t'es toujours pas au niveau 8. T'es où, Jacqueline? Ah, c'est bien. On va s'occuper d'elle. C'est très bien. Arrête de parler à ton père. Mange, écoute. Ils m'épuisent, hein, ces gosses. Hein. Vous avez des retours à la table ronde? Non. Non, non, on n'a pas eu de retour plus que ça. J'ai 1170... Bah, pas de soucis, hein. Je vais commencer par chien et chat, j'adore les animaux. Eh bah, écoute, t'as bien raison. Faut savoir que dans Chien et Chat, tu pourras pas contre les animaux, je te dis, parce que pour moi... Ouais. Et puis, ils prennent surtout de la place dans le foyer, et c'est un peu embêtant, quoi. Sa capuche. Ouais, c'est maman grenouille, elle sait tout. Elle comprend mieux que moi le jeu. Alors, tu vas pas aller au lit, tu vas aller au pipi avant. Ah bah non! Tant pis, tu iras à la suite. Bon, tu y arrives, toi, là, saleté? Je te jure. Tu iras manger à la suite. Comme ça, vous partagerez le plat.
Elle est trop chouette, combattre. Mais surtout sans fin, quoi. Comment tu fais ça? Pour voir... Mais la vue Sims, vous savez pas qu'on peut voir la vue Sims? Genre là, Pulco, clac, je le vois jouer. Vous savez pas qu'on peut faire... Ça fait longtemps quand ils ont fait cette mise à jour. Je crois que c'était avant Heure de Gloire, en plus. Voilà, là, on voit Nathalie. Et elle dort dans le canapé. Je vais la tuer. Ça, c'est la petite. Ça, c'est l'autre petite. Voilà. Et on fait le tour. C'est tout. Alors, vous connaissez le mode tab pour qu'on voit comme ça en mode cinéma, un peu? Eh ben, en fait, vous faites Maj tab et vous avez la vue du Sims. Et vous bougez avec les flèches pour changer de Sims. Mais ça fait un moment, quand même, qu'ils ont fait ça. Désolée. Bon, après, je vous l'apprends. C'est pas un souci, mais... Je suis étonnée que vous le saviez pas. Bah écoute, va manger. Va manger. Toi, va manger aussi. Toi. Non. Toi, tu vas au pot. Hop. Comme les grands. Toi. Toi, tu vas dans ton lit. Parce qu'à un moment donné, tu... Voilà. C'est pas possible. Toi, t'es... Ouais, ça y est. Oh, pardon, j'avais pas vu qu'il avait passé le stade supérieur. Ça y est, tu peux aller manger, c'est ta récompense. Voilà. Oh, Pulcote. Puis tu vas pouvoir discuter avec ta femme, parce que quand même... Pour l'instant, vous vous parlez pas trop, j'avoue. J'oublie les interactions sociales. Oh, mais qu'est-ce qu'il est beau, Pulco. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Il est 1h du mat. J'avais pas vu. J'avais point vu, les enfants. Et elle grandit à quelle heure, elle? Bon, allez, on va aller jusqu'à son anniversaire, quand même. On va aller jusqu'à son anniversaire. Mais tu vas rien demander. Tu vas... Après la toilette, tu vas aller dormir. Pourquoi t'irais danser? Oh, elle a pété. La dégueulasse, elle a pété. Bon, tu peux flatter, tout ça. Est-ce que tu peux, voilà, discuter d'énigmes logiques, c'est très bien. Qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce qu'elles ont, là, les gosses, là? C'est celle-ci, non. Je suis fatiguée. Ouh là là, ça crie dans mes oreilles. Tu vas aller te coucher également. Et merci, Marinoum, pour l'abo YouTube. Ça fait plaisir, bienvenue. Ici. Ouais, c'était la mage avant Heure de Gloire, la vue par les yeux du Sims. Ouais, c'était un truc qui n'était pas prévu et tout, c'était trop cool, quoi. En fait, ils l'ont développé pour se faire une blague entre eux, les développeurs. C'était pas prévu vraiment pour le jeu. Et ils se sont dit, bah attendez, on va vraiment le faire, quoi. Et on va vraiment le mettre dans le jeu. Et c'était super, quoi. Enfin, franchement, on peut bien se marrer avec ce genre de vue. Hein. J'arrive pas à le faire. Tab plus mage. Non, mage plus tab. Moi, je fais mage avant. Si tu fais tab avant, t'as pas la vue Sims. Et si tu fais mage après, ça marche pas. Bon, voilà, j'active les trucs rémanentes, là. Non, non, c'est mage. Shift plus tab. Il faut rester appuyé sur shift hein, avant avant le mage avant le tab, hein, sinon ça marche pas. J'ai super mal à la gorge, j'aurais pas une astuce. Non. Tab, alors tab, c'est en dessous du 2, du carré. Mettre carré et au-dessus de verrouille mage et encore au-dessus de mage. Tout à droite de l'écran. Les deux touches sont au même endroit. Regarde. Et là, tu as mage. Et là, tu as tab, mage, tab. Et voilà. Moi, j'ai un super clavier qui a fait des lumières. Faut pas être jaloux. C'est comme ça, la vie. Je sais pas si vous avez vraiment bien vu, parce que j'ai pas le retour, ma cam. Les deux flèches en tête à cul. Exactement, c'est ça. C'est les deux flèches qui font comme ça. À côté du A, en fait, de ton clavier. Ça sera plus vite, d'ailleurs. J'ai pas... Le cible boule. Le smile est boule. Donc tout le monde dort, donc je vais accélérer parce que c'est pas intéressant. Déjà comme ça. Célébrer l'anniversaire d'un nuage. Ouais. Une fantastique fête. Ouais. Où il y aura personne qui va venir comme d'habitude. Ouh là là. Avec une note bien tale. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est le jour de l'amour. Ça existe pas. Qu'est-ce qu'elle a fait? Recevoir des fleurs. Offrir des fleurs. Nous sommes de très jolies fleurs. J'ai faim. Vous m'offrez aussi de la pâtée, les enfants? Alors, pipi. Douche. Fais voir les enfants à qui tu t'es fait ami, toi. Nicolas, Martinez, Frédéric, c'est bien. Elle choisit que des garçons. Oh, Philippe est déjà grand. Oh, ouais, il a pas l'air beau, hein.
Il a pas l'air très beau. Enfin, il a vraiment une tête de PNJ, quoi. De... Les cours de Perle commencent dans une heure. Ouais. T'inquiète. Elle va y aller. Elle va courir, même. Quelle est belle, cette maison. Ah, Pulcote est debout. Pulcote, il est beau. C'est le plus fort des astronauts. Pulcote, il est hot. C'est le plus fort des astronautes. Voilà, c'est comme ça qu'on crée des chansons. Magetab, oui. Non, le même clavier que toi. Ah, le... oui. Bah oui, informatique. Ouf, j'ai mute sans le vouloir, ma bravale. Non, Pulco, tu vas sûrement pas faire la... Tu vas réparer. Allez, remonte. Oh là là, qu'est-ce qu'il est fort, ce Pulco. Danse. Non, mais tu vas pas danser. Quand même. On va faire quoi? On va réfléchir à une stratégie et jouer. Ouais, aujourd'hui, j'ai envie d'augmenter, comme ça. Les morphales sont au lit. Oh punaise, en parlant de morphales, elle a vraiment faim. Elle a vraiment la faim qui lui tenaille au corps. Toi, tu devrais aller... Ouais, va... Ça, je vais lui monter. À elle, là. Hop. Ça, tu vas te lever, tu vas manger. J'ai encore touché le tapis. Le fameux tapis. Oh là là. Ouh la colère. Oh, c'est bon! Bah oui, bah va bouffer! Les assiettes volantes. Putain, mais... Pourquoi il y a un fauteuil là? Il y a un fauteuil là? Pourquoi faut qu'elle descende? Niveau 5 du mouvement, les enfants! La meuf, la gamine, ça fait 3 jours qu'elle a grandi. C'est une championne du 100 mètres, quoi. C'est une blague. Tiens, tu vas te faire des amis, toi. Plutôt des amis mâles, parce que vous êtes 3 filles, il faut que je vous case. C'est bien pour les droits d'auteur, ça, hein? C'est cool. Merci, les Sims. Hop. C'est cool. Alors, on en est où des compétences de Pulcote? Eh bien, on n'est pas... Oh, mais il doit... Non, il bosse pas, c'est vrai qu'il est en week-end. Alors, compétences. Bricolage, presque niveau 9. On y est presque, hein, voilà. Zoologie, on est déjà 10 depuis un moment. La logique, on vient d'arriver au niveau 8. Et il me semble que bah, il faudra aussi que je... Mais se fout de moi, elle. Punaise, mais va courir si tu t'ennuies. On a une femme de ménage qui vient d'arriver, laisse-la. Ah, achète des fleurs pour toute ta classe, allez. Voilà, mets les ordures par terre, t'as raison. Va courir. Donc c'est ça, je crois. Et il va falloir aussi qu'on aille au truc d'Oasis Springs un jour, hein, quand il aura 10 de... Voilà. Alors, compétence fusée, bricolage, compléter l'aspiration, maximum carrière astronaute, construire une fusée avec toutes les améliorations avec Sixam, entrer dans le secret d'Oasis Springs... Et ça, c'est... Ok. Mais t'as pas mangé, toi? Eh, viens manger. Et viens manger! Viens manger! Sous le sunlight des tropiques! Ah, c'est trop beau, ils sont du chaufrometon! Ouais, ça rime. Oh, Pulco. Pulco, il fait le gogol avec ses enfants. Elle peut toujours pas apprendre à aller au pot. Nathalie, va falloir que tu reviennes. Que tu reviennes! Je ne saurais pas. Pourquoi elle est contente d'avoir été aux toilettes? Adepte du bidet. Mais ouais, bien sûr. Ah, le pot était nettoyé. Apprendre à aller sur le pot à Mini. Quand elle aura fini, évidemment. Bon, Pulco est en week-end. Ça va, il a pas bossé des masses, hein. Il a bossé 2 jours et puis leur week-end. Mais elle est où ta logique là?
Ah ouais, oui, c'est parce que tu la travailles pas, c'est pour ça que ça me... Ah! Allez! Mini Oppo! Ah, faut que je surveille elle, là, dis donc. Elle clignote. Non, hop! Elle, tu l'as fait aller au pot. Après, ta mission sera de créer, de cuisiner plutôt, un gâtal. Gâtal, la noix de coco. Gâteau au chocolat, ce sera très bien. C'est la vie, de toute façon, chocolat. Donc, Pulcote, lui, il s'entraîne. Pour l'anniversaire de la gamine! Mais la station est trop. Elle est dynamique, oui, elle est dynamique, Mini, ouais. Elle en peut, elle arrive plus là. Sinon, il peut lire pour augmenter ses compétences, il n'irait pas plus vite. Je suis pas sûre, hein, que la lecture. Je veux dire, j'ai le truc là, autant le faire là, c'est pas. Tu vois. On a le temps. Là, il est en week-end de 3 jours, donc on va faire un jour ci, un jour ça, quoi. Commence à avoir un peu faim. À manger. Laisse les gosses tranquilles. Oh, le stremon. Le stremon est réveillé. Je ressors le plat. Tac, tu vas venir manger. Oui, c'est bon. Moi aussi, j'ai faim. Hein, je suis pas une colère pour autant. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Voilà, elle mange. Après, t'iras au pipi aussi. Alors, là, elle. Elle pue maintenant. On va jouer avec le coin-coin, t'as raison. Canard coin-coin, qui fait le canard? Canard coin-coin, tu fais le canard au quotidien. Toi, je vais la surveiller parce que comme elle commence à avoir la dalle, elle va me taper dans le gâtal. Ce bon que j'ai fait! Super Fariel, merci pour l'abo YouTube. Elle a oublié sa perruque, non, la femme de ménage, c'est ça. Pour la grotte d'Oasis Spring, c'est niveau 10 bricolage. Oui, je sais, Pauline, mais je veux dire, ça reste encore un truc que je dois faire qui n'est pas complété, quoi. Comme je l'ai jamais fait, en plus, ce sera à l'occasion. C'est un peu comme Six Sam. C'est la première fois que je le faisais sur le Not So Berry, c'est la première fois que j'y allais. Celle-ci est toujours plus belle que celle qui avait un point d'interrogation. Mais c'est la même, c'est juste que le CC n'est pas là. Donc elle ne porte pas le CC. Après, c'est sûrement une coiffure ou une connerie comme ça. C'est pour ça qu'elle a pas de cheveux. Non, t'inquiète, maman grenouille. C'est parce qu'elle est dynamique qu'elle a très vite amélioré. Bah, je pense, ouais, parce que moi, j'ai pas géré beaucoup. Elle galopait alors qu'elle venait de grandir à la fin de l'épisode d'avant, quoi. Mais Doudou, elle est déjà claquée? Écoute, cocotte, tu vas aller te pioter, hein. Tu vas aller dormir. Allez, vas-y, maintenant. Tout de suite. Immédiatement. Toi, allez, va manger, mon pulco. Va manger. Elle. Oui, elle a un niveau. Une note de B, la petite perlouse. Bravo, Perlouette. Ma petite perlounette. C'est bien. Tu vas manger à la fin de cette assiette. Nous, on est. Nous on est comme ça, nous on n'est pas bizarre. Hop. Viens t'asseoir là. Oh, Kosokliba? C'est toi qui parles aussi fort dans mon casque? Alors il y a une chaîne, il y a un truc rétro. Changer de station. Une ambiance, morceau étrange. C'est nouveau ça, morceau étrange, non? Radio Désir, Radio Blabla, Radio Berceuse, hein, Pop Latine, Pop New Age. Tube des TS Pop rétro. Ah oui, rétro. Oh oui! Ta-ta-tin! 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 La musique des Sims! Ta-ta-tin! Ta-ta-tin! Je vais vous gâcher la chanson. Hein. Attendez, on va foutre le fond à fond. Je vais mettre que ça, moi, dans mes parties. Hein. Oh là là, les souvenirs! Mon Dieu!
C'est moi ou Puko, c'est encore affiné. C'est possible. Mais je lui ai pas fait faire de sport, donc je pense qu'il est, c'est juste par rapport à tout à l'heure. J'arrive plus à faire tenir ma tablette. J'ai fait trop la folle en dansant. Est-ce que tu as des challenges à me recommander pour pas me lasser des Sims? Bah, il y a le Lord and Lady Challenge. Il y a les enfants parfaits, mais tu as pas le... Enfin, si, c'est pas la même personne. Si tu as le kit être parent, c'est un challenge que j'ai créé aussi. Hein. Les enfants parfaits. L'autre jour, elle était pleine de noir avec des points d'interrogation, mais elle est plutôt jolie, même sans ses cheveux. Ouais, ouais, ouais. Tin, 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 tin. J'adore cette station. Bon, alors, on était parti pour... Non, mais qu'est-ce que tu fais avec la truc, toi? Tu viens ici, on va faire l'anniversaire. Oh, merci Céline, c'est gentil. Et tu vas, je vois quand il y aura Messi Grow ou Nana Messi Grow. Neva, Kreba, Messi Grow, Kreba. Nawak. Avec objectif. De toute façon, on oublie toujours. Ah bah, je peux pas, c'est le jour de l'amour. Oh, il casse les pines. Alors, c'est Nuage qui grandit, que je me trompe pas. On va inviter Nathalie, Mini Perle. Ouais, y a vraiment pas grand monde qu'on puisse inviter. À la vache, ils sont tous claqués. C'est ta tristesse. Allez! Tout, 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 tout. Oh, qu'il est beau le pulco! Regardez-moi ça, quel homme! Ah oui! Allez, tu peux danser, t'as le droit. Tout le monde. Brrr ! Tout le monde. Brrr ! Tout le monde. Tin, 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 tin. Toi aussi, tu peux venir danser. Ah, la fameuse tenue moche de fête. Pourquoi tu te colles devant le truc, toi? C'est pour mieux ressentir les basses? Allez, tout le monde. J'espère juste que vous connaissez, vous entendez bien, parce que sinon j'ai l'air con. J'ai bien aimé la place du marché, maudit héritage, sinon petit fermier est sympa et le défi du Chorlet. Évidemment. Tout ce que je crée, c'est génial. Hop ! Jonathan est là ! Alors, j'ai été relooké Jonathan. J'avoue. Et alors, Jonathan... Jonathan, il a eu un enfant avec un garçon. Voilà. Mais et là, c'est la copine qui a failli être la mère de nos enfants. Mais que j'ai écartée parce qu'elle a les yeux marrons. Allez, venez tous danser sur la musique des Sims. On s'enjaille, hein, chez nous. Et Jonathan? Jonathan, et voilà, il est papa, quoi. Enfin, c'est le cousin de Pulco en même temps, donc bon. Il est beau, le Pulco. Bonne app, Marinoum. Maintenant, ton astuce avec les fesses, je la fais dans la partie. Ah, pour les bébés. On entend bof bof. Oh. Donc, malgré le petit bug, là, avec un débit zéro, tout ça, j'ai ma connexion qui fait du caca. Bref, tout le monde s'enjaille. On est bien. Ça y est, la petite dernière va arriver. Elle est pas contente, elle est fatiguée. Elle va danser quand même. Elle va se bouger le trognon. Qu'est-ce qu'elle fait, elle? Mais... Non! C'est rétro, ça? C'est celle-là, Maisie Grow? Maisy Grow Kreba, c'est ça. Alors, on va procéder à l'anniversaire. Voilà. Arrête. Niveau 3 de la communication pour Nuage. Tu vas donc aider ta fille à souffler ses boujax. Nuage, s'il te plaît. Et nous allons assister...
Oh, quelle tronche! Mais qu'elle est moche! Mais quelle est vilaine! Oh, regardez les dents! Mais j'avais pas vu! C'est quoi ces dents? Mais on n'est pas gâté, hein! Oh, alors que Pulco est tellement beau! Qu'est-ce que c'est que ça? On n'est pas gâté avec ces gosses, nous! Alors, une petite photo! Et nuages! Grandi avec ses chaussons poilus. Oh là là, il y avait un. Il est beau gosse, hein, quand même, machin. Oh là là! Attention! Sension! Ah oui, c'est vrai! Alors, parce que j'avais donné quoi à l'autre? Actif, crasseux, aime la musique. Donc j'avais donné actif, il me semble, à Perle. En tout cas, j'ai pas donné crasseux. Donc je vais donner crasseux comme trait. Ça sera sûr. Voilà. De toute façon, elles seront toutes crasseuses au bout d'un moment, mais. Et puis, on s'en fout, à faire faculté. Non, faculté motrice, je mettrai plus pour Mini, vu à quel point elle gambade. Attention. La tronche de notre deuxième fille. Si tu ouvres les yeux. T'as toujours pas les yeux bleus, d'accord, ok. Bah. Elle ressemble à son père, je trouve. Tu fais flipper un peu. Regardez cet instant volé. Oh, on aurait peut-être dû prendre Adia. Ça aurait été mieux. Adia, c'est elle. Hein ? Bah, salut ! Témoin de maltraitance. Des enfants étaient méchants avec un de mes amis. Bah, foulez la SPA. Voilà. Tu as daigné nous offrir ta... Hein ? Tu peux appeler à table, sinon. Alors, petite nuage. C'est celle-là, mais il grow, alors, du coup. Alors, toi, tu vas pas manger de gâtal parce que t'es tellement déjà sur ex que tu vas être couché, direct. Hop. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Qu'est-ce que tu fais là-haut, toi? Pulcot, va à pipi, et puis il va te laver si tu veux. Et puis après, voilà, hein. Ah bah oui, c'est cette chanson-là, mais il grow. Ça est bizarre parce que moi je suis habituée à l'entendre. Non, c'est pas ça. À l'entendre quand les Sims la chantent, mais pas interprétée par des gens. C'est très bizarre. Elle est chou. Je sais pas, j'entends pas. Oh, mais vous entendez vraiment rien? Je peux pas faire mieux. En vrai, les musiques des radios sont pas mal dans les Sims. Il y en a qui sont vraiment cons, on pourrait croire que c'est des vrais. Nuage, le petit lapin. Dis pas que c'est encore bugué. Non, c'est bon. Quand même, on entend bien. Au pire, c'est pas grave, vous écouterez la, vous verrez la rediff pour avoir la musique. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Il va me casser la porte du frigo. Avec son pantalon rose. Eh bah ouais, voilà. Mais il y a du gâteau là! Qu'est-ce qu'il vous faut? Oh là là! Cache ses pieds, hein. T'es qui toi déjà? Ah, t'es de Gwen Dubois. Pulcot, il se lave. Elle est où, sa meuf? Non, mais tu peux aussi, je sais pas, discuter avec les gens, tu vois. Parler du temps ensoleillé. Adia, et je crois qu'il aime pas les filles, Jonathan, en fait. Donc tu perds ton temps si tu le dragues. Ouais, servez-vous dans notre frigo, on vous dira rien, quoi. Tranquille, hein, Emile. Non, viens dire bon. Mais viens parler! Ah, j'ai oublié que c'était la jour de l'amour, moi. Rayon glacial. Non, bah non, quand même. Contrôlez l'esprit. Non, on va être sympa. Complimenter la tenue. Jonathan. Jonathan, qu'est-ce qu'on pourrait te dire? Se renseigner sur la carrière. On va savoir ce qu'il va faire dans la vie. Et puis toi. Complimenter la tenue. C'est fait, elle fait du sport, elle. Nunuche. Va aux toilettes. Tu vas te faire dessus. On est retrouvé sur... Je l'ai déjà mis celle-là dans mes vidéos. Des musiques de Sims. Au lit sans dessert. Les Sims ne sont donc pas des gens. Ah bon? Les Sims qui te servent dans le frigo, ça me bute. Mais attends... Artiste!
Ah, Jonathan, je comprends mieux le pantalon rose du coup, oui. Il fallait oser. Pulko, il a toujours la classe même en pyjama. Offrir un cadeau. Oh, je vais t'offrir un canard vibrant, chérie. Oh punaise, ça pète. Qui c'est qui a pété? C'est elle! J'en peux plus, c'est elle qui a largué une grosse caisse dégueulasse. Allez, tu vas faire quelque chose. À toi, tu t'en fous du jour de l'amour. Ah oui, elle est froide, j'avais oublié. Allez, embrasser quelqu'un langoureusement dans le placard. Favou. Un petit canard vibrant. Bon, ça lui plaît, ça lui plaît. Hé, hey, chérie, on vient l'essayer. Viens essayer dans le placard avec moi. Salut, Julie. Oui, ça va, Céline. Salut, Matt, comment tu vas? Mais allez dans le placard. Qu'est-ce que vous faites? Bon, je vais ranger moi-même le gâteau, de toute façon personne n'en veut. Bah écoutez, voilà, hein. Toi, tu vas faire tes devoirs aussi, parce que je suis sûre que tu vas aller en cours demain. Ah bah non, on est vendredi! Bon, il y a le temps alors. Par contre, il va falloir lui mettre un lit. Un lit de jeune fille, donc je vais lui changer. Oh, qui c'est qui m'a recassé encore la maison? C'est Sims m'épuise. Hein. Bon, je vais pas me casser la tête, hein. Je vais prendre le même lit que sa sœur. En même temps, il est gris, donc c'est parfait. Ouais, par contre, c'est devant la fenêtre. Zut, flûte mince. Bah, pareil, on va mettre ça comme ça en plein milieu. On va changer la table basse, enfin la table de chevet. Hop. Bon, elle a quand même moins de place que sa sœur. Mais c'est pas grave. Voilà. Non, je voulais pas choper les trucs. Donc ça sera ton lit. Attribue un lit. Nuage. Voilà. Ouais, tu vas être couché. Allez, hop. Qui c'est qui gueule comme ça là? Pourquoi? Parce que c'est le jour de l'amour. Mais tu t'en fous de ta gosse. Vous pouvez faire crac-crac dans le placard. Allez, hop. Allez. Laissez-vous tenter. Non, pas de bébé. Non, ça ira. Et tu vas lui redonner le canard en vibrant. Ça pourrait être sympa. Ça va, l'anniversaire va s'arrêter, donc ils vont pas voir partir. Jonathan s'éclate. Tu vas être couché aussi, toi. Faut pas que tu vois tes parents faire des crapulades, ce serait triste. Et hop là! Ouh, sexy, sexy. Tout doux, doux, doux. T'as la lampe monstre? Non. C'est pas grave, je la mettrai la prochaine fois. Les monstres vont au lit en parlant de monstres. Et là, c'est crac 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 dans les placards. Ne pas oublier la montre contre le monstre. Ouais, bah oui, écoutez, j'ai oublié. Vous me le dites et j'oublie. J'ose oublier ça, ce genre de choses. Ça va, Matt, ça va. Je pensais que je vais acheter le kit tricot plutôt que premier animal de compagnie. Azumante, mais comme t'as le temps. T'as le temps vu qu'il n'est pas sorti encore. Ouh, bah dis donc, c'était épuisant, hein, ce placard. Hein. Fou. Vous allez pas redescendre? Pulko, il passe toujours à travers les murs. Eh bah si, vous redescendre. Pour faire une interaction dans la cuisine. Parce que c'est à ce moment-là où j'ai cliqué. Donc, comme j'ai cliqué quand ils étaient dans la cuisine, ils retournent dans la cuisine. Alors, ça t'a plu le canard vibrant? Magnifique. Allez hop, vous allez vous pioter les deux là. Et puis je pense qu'on s'arrêtera là parce que je sais bien, on aura bien avancé. Notre deuxième fille sera devenue enfant. Pulko aura enfin son vrai travail. Et puis c'est bien quoi. Voilà. Zoupi zoupla, ils vont se coucher.
Je mets sur pause, j'enregistre et moi je vais vous remercier d'avoir assisté à cette rediff. Je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao.